Il était une fois, il y avait un jeune basketteur qui avait le rêve d'être le meilleur basketteur de tous les temps. Mon nom est Kobe Bryant. J'ai 17 ans. J'ai la rage et la motivation et le désir d'être le meilleur joueur de basketball que je peux être, qui a travaillé jour et nuit, chaque jour, pendant des années et des années. Et pendant que le temps passe, 20 ans ont passé, et il a senti qu'il a accompli tout ce qu'il s'était fixé d'accomplir. Il a commencé à réaliser que l'objectif qu'il s'est fixé était vraiment dur. Il a réalisé que la chose la plus importante dans la vie, c'est comment ta carrière bouge et touche ceux qui sont autour de toi et comment elle se transmet à la prochaine génération. Il a réalisé que c'est ce qui fait la vraie grandeur. L'histoire sera à propos de la transformation d'un enfant regardant intérieurement et puis qui a grandi et qui a compris l'importance et le pouvoir de regarder extérieurement. C'est un bon sentiment de savoir que tu t'es fixé un objectif pour toi-même et que tu es capable de l'atteindre. Si j'avais le pouvoir de retourner dans le temps, je ne l'aurais jamais utilisé. Je ne pense pas à ça, parce qu'après chaque moment que tu traverses ne voudrait absolument rien dire, puisque tu peux toujours retourner dans le passé et le refaire. Donc ça perd sa saveur, ça perd sa beauté. Les choses ont une fin, tu sais, et le moment ne reviendra jamais. Le pouvoir de retourner dans le temps et de refaire ces choses, c'est idiot pour moi. Je serai vraiment en paix avec et vraiment reconnaissant pour les 20 ans que j'ai eu. Et prêt à partir.